Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour Mario Golf Super Rush. Et là on commence déjà une petite intro qui fait plaisir. Bon, l'intro qui est un peu longue, mais qui met dans l'ambiance directement. Et puis, la cinématique est super belle, hein, y a rien à dire. On est sur Nintendo Switch, mais elle est super belle. Donc, le jeu est disponible depuis le 25 juin 2021. Classage PEGI 3 au niveau des langues allemand, anglais, etc. Maintenant, tu connais la musique. Et la taille, ça fait environ 3 gigas installé sur ma micro SD. Voilà, donc Mario Golf Super Rush, juste pour information, pour y avoir joué sur d'autres supports, c'est quand même un jeu super technique. Hein. C'est pas le jeu où tu vas te poser et tu vas rigoler comme ça si tu veux vraiment bien jouer. Le jeu est disponible au prix de 59,99€. Est-ce qu'il vaut 59,99€? Eh ben, j'en sais rien, je l'ai acheté parce que j'aime bien, tout simplement. Donc LR, on va commencer. Donc match libre, aventure golfique, guide de golf, défi solo, statistique, option, on va aller voir dans l'option. Donc voilà, 59€, il est développé, édité. Donc le développeur c'est Camelot Software Planning et l'éditeur c'est Nintendo. Alors musique de fond, oui, distance mètre, tralala, tralala, les caméras et tout. Ouais, c'est impeccable, on va rester comme ça, les stats. L'aventure golfique... Ça, on se le réserve pour un petit peu plus tard, si on le fait ensemble, je sais pas. Et on va faire quelques matchs libres, on va voir. Allez, c'est parti. Donc, le guide de golf, parce qu'on l'a pas vu, c'est les commandes de base. Donc voilà, frapper un coup. Voilà, utilisez-le pour définir la direction dans laquelle vous voulez frapper. Voilà, carry course, donc c'est le sens de la trajectoire que parcourt la balle. Ok, les déplacements... Voilà, donc là parce que aussi on peut courir, t'es sur le green et du coup bah tu peux courir comme tu veux, il y a quelques étapes et tout ça. Donc juste pour information, le jeu je viens juste de le découvrir comme vous, hein. Là je viens de l'acheter, je l'ai lancé, tac tac tac. J'en sais pas plus que vous, j'en sais pas moins que vous, on va le découvrir ensemble. Coup très curvé, apprenez à frapper des coups, la jauge de puissance est divisée en 1 à 4 sections, vous pouvez curver la trajectoire de la balle, les sessions, améliorer l'aptitude. Et ben on va essayer puis on verra, hein. Voilà, ligne à coup en pente. Prenez un coup à frapper lorsque la balle est... Ok. Donc là, voilà. Un coup à frapper en terre plat aura par défaut une trajectoire droite. Juste bien aussi présente à droite. Ok. La trajectoire d'une balle jouée sur une ligne en montée tendant à dévier à gauche. Ok. Ok, bah c'est bon à savoir. Donc voilà, t'as plein de trucs à lire déjà. Tranquille. Donc en fonction du vent, de la pluie et tralala. Parce que là, c'est très important aussi. Hein.
Donc il faut faire super attention, les termes de golf, adresser la balle, head shot, voilà, air shot. Donc tout ça, je vais vous laisser le découvrir. Le tout, c'est de découvrir un petit peu le jeu ensemble, pépouze. On se pose, voilà. C'est comme si tu achetais le jeu, voilà, t'es tranquille, avant de mettre la ratamée à tes potes. Et là, on va jouer golf standard. Hop. Non, moi, je joue une manette. Un seul joueur, ça suffit, c'est moi. Et là, on va découvrir un peu les personnages, comment ils sont stylés. Voilà, Luigi, Wario, Daisy. Moi, Luigi, Yoshi. Moi, ils l'ont même pas habillé, là. Voilà, c'est dommage. Bowser. Bowser Junior. Harmony. Donc, qui est con. Lui non plus n'est pas habillé. Boo. Pauline. Ok. Toad. Bulldozer. Hop, bien par là, il en manque un. Et le roi Bob-Bomb. Allez, on va prendre Mario pour commencer. On va pas regarder les aptitudes, mais. Allez, on va faire un petit parcours novice. Donc, petit let's play tranquille. Donc, 2 trous ou 3? 18 trous. Non, 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 non. Ouais, ça va le faire. Ouais, léger, hein. Allez, c'est parti. Coup spécial. Sans effet. On va voir un peu. De toute façon, on découvre le jeu, donc tranquille. Par contre, graphiquement, franchement, il claque bien, hein, là. Bon, le seul gros hic, c'est que je joue sur un écran 4K, là. Donc, la Switch 1080p sur l'écran 4K, bon. J'ai un petit peu de sentiment, un peu. J'ai pas de l'étirement, mais bon, c'est pas net, net, net. Mais du coup, j'ai un. Voilà. J'ai un Asus 4K, et bon, voilà. Bon, après. Attention. Attention. Donc, là. On peut choisir. Ah, ouais, quand même. 189 mètres, 201 mètres. Voilà, donc là vous voyez 143 mètres, 134 mètres. Ah, c'est magnifique. Alors, monte là-haut, on y va. On va essayer, hein. On essaye tranquillou. Ouah. Ah, c'est pas si mal pour un premier tir. On aurait pu faire mieux. La balle des mariés a fini dans un bunker. C'est pas terrible, hein, par contre. Hein. Oh. Ah, voilà. Tranquille. Donc là, il y a Mario, il est là. Pas pouvoir tirer très très fort quand même. Hein. Je crois que j'ai tiré un peu trop fort et ouais, j'ai dévié la balle comme il fallait. J'aurais dû faire autrement, c'est pas grave. Oula, j'étais trop fort. Ouais. C'est pas facile, hein. On va y arriver tranquillement. De toute façon, c'est un pratique, c'est là pour découvrir. Attends, 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 il y a un problème là. Ah ouais, j'ai joué comme une merde. Tout doucement, mais sûrement. Vas-y, tombe dans le trou là. Allez. Non. Ouais, bah tant pis, hein. Et bah voilà! Bon, on l'a pas eu du premier coup. Le bon, bogey. Ouais, ça va. Hein. Il est pas content, alors qu'on a bien joué quand même. On n'a pas toutes les bases du Attention. golf. Allez, c'est parti. Tu peux aussi donner le sens, enfin un sens à ta balle quand tu tires. Ouh, attention! Putain, alors là, il envoie dans les airs. Oh oui, il me fait quoi là? Wow, pas mal le petit coup là, super sympa. Bon, je sais pas à quoi ça a servi, mais du coup, je suis archi mal là. Non, là, ça va pas le faire. Et si, ouais, là. Non mais va tirer le truc quoi. Va tirer le truc. Oh, l'arbre il m'a dévié là. Non mais oh. Non, sinon c'est super. C'est super fun ce jeu là. Quand t'es en compagnie. Ah, je vais essayer. Ouais voilà. En compagnie de tes potes, si tu vas remettre la ratame. Franchement c'est super sympa. Non.
tiens trop fort. J'aurais dû prendre quelque chose de moins. Ah ouais, non, non. Ah, sur le crème, il me semblait qu'on pouvait. On peut pas. Ouais, non, mais ça, on s'en fout. Voilà, c'est ça que je voulais. Hop. Ok. Pff, trop fort. Oh là 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 là. Donc comme ça, regardez, pour vous, ça fait peut-être un peu... c'est un peu chiant. Mais une fois que t'es dans le jeu, franchement, c'est super intéressant. Ah oui. Ouais, je peux faire un double bogey, mais... Il est jamais content alors qu'il a réussi à mettre la balle dans le trou. Bon, c'est sûr que... Bon, c'est pas le must, hein, mais... Ah, ça scintille un petit peu. Donc on a la vitesse du vent en bas, là, comme tu vois, le terrain en descente. Attention. Je vais peut-être essayer quelque chose de... Moi, j'ai envie de jouer... Ouais. Non. Quelque chose d'un peu plus loin, ouais. Essayez ça. On est bien là. Bon, il y a la vitesse du vent qui dévie, mais ah, on était pas mal. Putain, trop fort. Et avec le temps, tu vas pouvoir débloquer des coups, c'est super intéressant. Trop fort. Ouh, j'ai joué comme une merde. Non, non, non. N'importe quoi. Oh là 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 là. Oh, à côté, non, mais c'est abusé. Faut faire attention à la vitesse du vent et tout ça. Hein. Allez, ça rentre dans le trou, là. Oh non. Oh là là, trou à... Voilà, nickel. Là j'ai fait quoi? Triple bogey. Oh là 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 là. On va essayer de faire quand même un bon coup. Quoi, quoi, quoi? Eh, pas dans les mois, hein. Plus 6. Ça va. C'est pas le meilleur score, mais bon. Menu principal, on va choisir un autre personnage, on va voir un petit peu, allez hop. On prend Bowser. Allez, c'est parti. On trois trous. Direction du coup, ok. Il faut appuyer deux fois pour l'effet top spin. Hein. Mais tout ça. C'est... Donc nous on est là. Donc là c'est super bien, donc j'ai appuyé sur X. Hein. Ouais. On est là, on est là. Putain, 208, on est à 300 mètres. Ah ouais, ça va être chaud. Hein. Merde, j'ai raté mon coup. Là vous avez vu, hein, en bas, t'as le truc pour donner de l'effet. Un joli coup, mais pas terrible, terrible, terrible. Bon, je suis pas tombé dans le sable déjà. C'est déjà pas mal. Là, il va falloir faire super gaffe. Donc regardez bien en bas à droite. Essayez de faire ça. On va se remettre dedans. Oula. On va prendre plutôt celui-là. Hein. Hop. Je suis à 139 mètres, ok. Moi j'ai joué comme de la merde. Sympa le petit. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais. 102 mètres. Bon. J'essaie de mettre un petit coup là. Donc on est à.
On est là. J'ai intérêt à faire super gaffe là quand même. Hein. C'est 44 mètres. 58 mètres, 51 mètres. On va essayer avec celui-là. Ah! Un poil fort, mais de toute façon, je le savais. Enfin, du tirer. Hein. Attention! Oula! Plus Bowser, il a de la patate! Oh non! Franchement, c'est abusé là. J'aurais pu le faire directement, vous avez vu? Bogué. Ouais, bogué, allez, encore une fois. Je sais pas si on va y arriver. Hein. Pour l'instant, c'est pas terrible time. Attention. Là, on se remet là, on est à 148. J'ai voulu donner un effet, mais du coup, c'est pas l'effet escompté. Hein. Mais c'est pas mal. Ah, je suis peut-être dans l'axe. Hein. Sur le green. Eh. Vous voyez, avec le temps, on s'améliore tout doucement. Oh, non mais c'est un sketch. Hein. Ah bah voilà. Joli pas. Donc, plus tu vas avancer dans l'aventure, plus ça va être tranquille quoi. Voilà, tout simplement, faut pas se prendre la tête. Et t'as un practice au début, donc faut pas hésiter à le faire. Là, franchement, c'est pour présenter le jeu et tout. Donc, au niveau gameplay, là, dans les premiers instants, premières minutes, on discute ensemble et tout ça. La prise en main est facile, mais le jeu est horriblement technique. Attention, techniquement, c'est assez dur. Attention. Pour y avoir joué sur plusieurs supports, sur GameCube et tout ça. Là, franchement, sur Switch. Et là, je vous conseille pas du tout d'avoir les Joy-Con. Hein. Moi, personnellement, là, je joue sur le Pro Controller. Parce que sur Joy-Con, c'est même pas la merde. Enfin, ça va être la merde de toute façon. Donc, on va essayer de. Hop. Là, j'ai fait un petit. Et là, j'ai fait un tough spin. Et on va voir un peu le petit power-up qu'il a. Ah, j'aurais peut-être dû le faire au début. Bon, tant pis. C'est pas trop mal, hein. Franchement, c'est pas trop mal. Oh, attention. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Une météore. D'accord. Est-ce que ça sert à quelque chose de frapper une météore? Faut que je me mette par là dans l'axe. 229. Ouais, pas mal d'animation. Oh là 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 là. Et là, ça pète dans le trou. C'est vraiment bien joué là. C'est vraiment bien joué. Y'a rien à dire. C'est excellent. Allez, on va essayer de se faire un petit truc. Au calme, pépouze. Hop, voilà. Ah, ça va être compliqué là. Hein. Je sais pas si je peux le jouer dans l'axe. Je vais essayer, mais. Voilà, trop fort. Ah, même pas. Belle approche. Merci, merci. Buzz de birdie. Allez, rentre dedans. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah birdie, yeah. Bah voilà, c'est fait. Allez, on va changer de personnage, on va switcher sur un autre, on va voir un petit peu. Vas-y, mets-moi plus. Ah, d'accord. Bon, je suis pas bon, je suis pas mauvais. Voilà. Ouh. C'est pas mal. Allez, choix du personnage, on se fait un petit personnage encore, histoire de. On se fait encore un petit practice. Et puis voilà. Allez, on va prendre. Bon voilà, Harmonie, on va voir un peu comment elle joue. Allez, les parcours classiques, on aime ça, trois trous. Donc c'est vraiment pour vous montrer un peu le gameplay et tout ça. On joue ensemble, c'est tranquille. Il n'y a rien, on n'est pas là pour faire du high score et tout. On n'est pas là pour montrer la technique et tout. La technique, vous la prendrez par vous-même, vous jouerez par vous-même. Mais moi, personnellement, je kiffe, c'est détente, c'est tranquille. Et en plus, quand t'as du challenge avec tes potes, c'est super bien. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'aime. Attention. What délire, hein. Elle vole direct, elle. Donc, on appuie sur X. Voilà, tout simplement. Hop, on va essayer de se mettre là, tranquille. Ouh, j'ai bien envoyé, là. Hein. Oh, j'espère qu'elle n'est pas tombée dans le sable, à mon avis.
Et merde. Dans un bunker. Et là, pour la sortir, c'est la merde. Hein. Ouais. Puis là, en plus, je suis mal barré. J'ai donné un petit effet, je sais pas si vous avez vu. Là, on le voit. Hein. Pour revenir un peu dans l'axe. Et on n'est pas trop mal, là, franchement. On n'est pas trop mal. Joli. Ouais, c'est joli. Du coup, on se remet là. Là, on est clairement dans le... dans l'axe. Mais j'ai pas besoin d'aller aussi loin. Voilà, là, ça va être bien. Je l'approche tout doucement. Ah, putain. Merde. Ouais, j'étais trop... Hop. Oh non, trop loin, j'ai joué comme une merde. J'ai joué comme une merde. Tant pis. Je suis à 16 mètres du trou. Trop fort. Avec un peu de chance, hein. Elle peut aller dans le trou. Va-t-elle aller dans le trou? Non, mais c'est un sketch. Ouais, c'est un sketch, là. Hein. Oh, c'est histoire de là. Voilà. Double bogey. Bah ouais, j'ai pas fait terrible, terrible, hein. J'aurais pu mieux jouer quand même. Allez, on passe à la suite. Hein. De toute façon, ce jeu-là, il faut apprendre, il faut le poncer, faut surtout faire les pratiques et tout. T'as pas le choix. Si tu veux bien jouer, t'as pas le choix. Et là, tu vois, je suis comme toi, j'ai juste de le découvrir. Hein. Ouais, je suis assez fier de moi, mais je vais tomber dans le bunker là, je pense. Oup. Pat. Ouais, un peu. Alors là, pour la sortir, à s'amuser, hein, Ginette. Ouais, j'étais obligé là. Je voulais pas faire aussi fort, mais j'avais pas le choix. Enfin, moi, personnellement, j'avais pas le choix. Ça va être plus pratique pour moi pour jouer comme ça. Hop, je donne un petit coup sur le côté, on le voit bien. Un petit coup. Ah ouais, là, franchement. Oh, trop fort. Oh non. Mais la balle, elle a un truc, hein, c'est pas possible. Un triple bogey. Un double bogey, non? Double bogey. Ouais, double. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Ah, on fait pas très très fort là en ce moment sur Agatha TV, hein, niveau golf. Mais bon, voilà, c'est détente, ça vous montre un peu. Attention. Et moi, franchement, ça me détend, c'est le principal. Joli coup. Donc là, je suis un top spin en même temps. Hein. Donc, je sais pas si t'as compris depuis le début, mais tu vois bien l'effet que tu donnes à la balle. Voilà. Par contre là pour l'envoyer là-dedans, voilà. Dis voilà, dis voilà, je vais pour la mettre dans le trou là. Hein. Ça va être chaud. Ouais vas-y, on va faire comme ça. Hein. Allez, un petit super pouvoir. Allez, on la balance. Oh, les Luma. Jolie animation, il y a rien à dire. C'est vraiment classe. Ah ouais, franchement, y'a rien à dire. Ah, il y a une petite pente, mais je sais pas là comment ça va donner. J'hésite à donner un petit coup. Ouais, là, franchement... Oh, purée. Et j'ai pas vu lancer super fort. Hein. Belle approche. Putt de birdie. Allez, va dans le trou, va dans le trou. Putain, un peu cher. Oh non. Bon bah là, c'était vraiment histoire de le finir. Hein. C'est vraiment dommage. Joli pas. C'est un peu mieux. Vous voyez, avec le temps, on s'améliore tranquillement. Franchement, c'est parfait. Donc je suis moins, je suis plus, je suis 0. Plus 4. Mario fait mieux. On a eu plus 6, 0 et 4. Bon, voilà pour le premier épisode de Mario Golf Super Rush sur Nintendo Switch. Donc là, on a vu... le truc tranquille, on va retourner au menu principal.
On verra dans plusieurs épisodes. Là, c'était vraiment une découverte. C'était histoire de, voilà, est-ce que tu veux acheter le jeu ou pas? Est-ce que tu vas aimer ou pas? Et ben voilà, t'as l'aventure golfique, on verra ça plus tard. On verra aussi les défis solo et le guide golf. Là, c'est la première approche. Et moi, personnellement, j'accroche déjà. Graphiquement, il est super beau et tout. Y a rien à dire. C'est vraiment stylé. Défi de score, allez hop. On va prendre, bah, tu vois, on va continuer avec Mario, continuer avec les autres personnages. Hop. Donc là, il y a des défis. À voir ce que ça donne, mais ça peut être sympa. Voilà. Et à plusieurs, je le redis, mais franchement, à plusieurs, ça doit cartonner. Voilà, il y a rien à dire. Attention. Hop. Attention. Donc là, on joue entre nous. Merde, j'ai fait de la merde. Et voilà, vous avez vu le petit effet que j'ai donné? Franchement, super sympa. Bon, je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.